Là, c'est Steve Gerda, bien évidemment, avec son étalon de 14 ans, celle française, son fils de Canane, Hermine de Prelay, la mère, qui était elle-même une fille de Narcos, née chez la famille de Roubaix dans le Nord. Il n'a pas fait une bonne Coupe des Nations, Steve. L'élasticité du cheval hein, qui passe de 4 mètres de long à 2 mètres de long en quart de seconde. Ouf, il a eu chaud sur le 10 de la Fédération française d'équitation. Chrono, ça sera bon, les 83 secondes. Je pense qu'on a notre dixième barragiste. Non, c'est... Voilà, on l'a, notre dixième barragiste. Moi, je dis 10, c'est un bon chiffre, Adeline. Voilà. Oui. Dixième barragiste, Steve Gerda, champion olympique et vainqueur de la finale Coupe du Monde il y a quelques semaines à Las Vegas avec Paille. Steve Gerda serait donc le Suisse du barrage. Regardez-moi ces tribunes. Incroyable. Voilà, là, un petit point sur les qualifiés, vous les voyez. Là, c'est les 5 premiers. Et les 5 suivants. Il y a plein de bleu, blanc, rouge. Il y a un champion olympique. On va se régaler dans ce barrage avant de partir. Barragiste. Il est champion olympique. Steve Gerda, Lino Desbuissonnais, c'est le français. Vous voyez le classement provisoire. 44 secondes 91 pour aller chercher la première place. 45 88 pour la deuxième. Mais Steve Gerda est vainqueur de la finale Coupe du Monde il y a quelques semaines à Las Vegas. A priori, quand il part dans un barrage, c'est pas pour aller chercher la deuxième place. Non, cela dit, ça refroidit. Mmh. Hein, quand vous voyez un truc comme ça dans un tournant... Ah, c'est sûr, quand il va l'aborder... Il va faire après. Attention. Ouais. Donc, est-ce qu'il va tourner aussi court? Peut-être pas. Allez, dernier. Bertrand Mallet, 44 secondes, 91. Pour écrire... Il faut aller plus vite que ça. Un petit champion olympique sur le palmarès du jumping de la boule, ça serait pas mal. Mais Bertrand Mallet, ça serait bien aussi. C'est parti vite. Il est plus vite. En tout cas, il est dans les temps. Mais voyez là, il prend là. C'est bon. Allez. Allez, Steve Gerda, Bertrand Mallet. Bertrand Mallet, 44 secondes, 91. Il est dedans. 44 secondes 91. Le temps à battre. 44 secondes 91. Il va passer devant. Oui, victoire du champion olympique Steve Gerda et Lino Desbuissonnais. Magnifique champion olympique. Vainqueur de la finale Coupe du Monde et maintenant vainqueur du Grand Prix Longines de la Baule. Formidable. Écoutez. Quelle maîtrise. Voilà, c'était juste incroyable. Ce barrage, le dernier à s'élancer. Standing ovation, bien évidemment, pour. Le champion olympique Steve Gerda. Voilà, ça sera une belle image. Hein, formidable. Comment il a gagné ça, c'était vraiment purement magnifique. Toujours des émotions, on se souvient des larmes d'Éric Lamaze l'année dernière, champion olympique 2008. Eh bien écoutez, au palmarès, ça sera le champion olympique 2012 qui nous succédera. Ah, c'est génial, ouais. Elle est pas belle la vie. Vraiment. Voilà. Magnifique.
Belle image pour conclure, parce qu'on doit conclure. Adeline Virtanen, merci d'avoir été avec nous. Merci Pascal, pour, beaucoup d'émotions comme d'habitude. Pour ce Grand Prix. Merci à tout le monde en régie. Vous pouvez revoir tout ça évidemment sur Equidia Play.